Bonjour à tous. Je voudrais remercier en fait Pascal et Jean-François à double titre. Le premier, c'est pour ce matin, pour pouvoir être présent avec vous, mais aussi en fait pour ce qu'ils organisent ici, dans le sens où en fait c'est le projet que je vais vous présenter là qui a été retenu parmi les 12 projets A au PIA 3, projet d'investissement d'avenir qui vient d'être donné et sur lequel nous avons récolté plus de 6 millions d'euros. Et ben c'est l'année dernière, une histoire de vie fait que je me retrouve ici parmi vous. Et grâce en fait à l'émulation que ça a pu provoquer, vous êtes quelque part, Pascal et puis Jean-François, responsables un peu du succès, puisque en fait ça a permis d'imaginer un certain nombre de choses. Voilà. Et donc je vais m'inscrire un peu dans le débat qu'il y a aujourd'hui, qui est plus. Vous allez voir, je suis plus du tout en médecine, hein, mais comment en fait dans des écoles d'ingénierie agroalimentaire, les choses peuvent se mettre en place en s'appuyant sur d'autres démarches. Vous allez voir, je terminerai avec des cas qui sont proches, qui vont rappeler un peu la médecine, en tous les cas, qui rappellent la santé publique, sur lesquels nous sommes fortement, fortement impliqués. Mais comment tout ça, ça peut permettre d'imaginer d'autres choses. Et vous allez voir qu'il y a des grands parallèles, en fait, et l'intervention qu'il y a eu du doyen, que je remercie fortement. Vous allez voir un projet là qui structure effectivement, qui va demander à un certain nombre d'établissements dans l'enseignement supérieur français, agricole notamment, de revoir complètement l'ensemble de leur pédagogie. C'est-à-dire que derrière, l'État a investi sur nous pour que derrière, dans une quinzaine d'établissements français et universités françaises, nous modifions en fait l'ensemble de la pédagogie. Donc je vais rentrer sur ça. Nous nous inscrivons dans un cadre très particulier, ce qui est celui de l'alimentation et de l'innovation. Alors pour faire simple, hein, juste trois chiffres, histoire de bien vous marquer, pour comprendre en fait quels sont les enjeux. Dans 5 ans, la moitié des produits que vous verrez dans vos supermarchés favoris n'existent pas aujourd'hui. Donc pour des élèves que j'ai personnellement en ingénierie agroalimentaire qui vont participer à cette innovation, c'est un challenge important. Pour autant, deuxième chiffre, parmi les 100 idées qu'ils ont, eux, en R&D, enfin bon, dans les équipes marketing, etc., dans les industries agroalimentaires, sur les 100 idées qu'ils vont avoir, il y en aura 20 qui arriveront sur le marché. Et sur les 20 qui arriveront sur le marché, il n'y en aura plus que 4, en fait, au bout d'un an. Je ne vous explique pas au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, etc. Et en même temps, est-ce que vous avez une idée de... Donc les produits, quand on les lance au niveau, on les lance sur le marché, vous les avez dans votre hypermarché, combien de temps vous avez pour les repérer? Combien de temps vous passez pour les repérer? Est-ce que vous avez une idée? Globalement, c'est 1 seconde pour pouvoir les percevoir. Donc ça veut dire que là derrière, nouveau gros problème. Une fois que je l'ai repéré, je l'ai goûté, et quand je l'ai goûté, seulement un produit sur trois que j'ai repéré, que j'ai goûté et que j'ai adoré, je vais le racheter. C'est juste un petit peu, vous en sentez bien, très problématique. Donc l'idée, ça a été de se dire, globalement, il y a un enjeu là qui est fort, hein, vous l'avez vu à travers les états généraux de l'alimentation, on entend parler beaucoup au niveau sanitaire aujourd'hui, grâce à Lactalis, merci Lactalis. Et derrière, parce que c'est au cœur de cette alimentation est au cœur de notre vie, et en même temps, un enjeu sociétal fort en termes de ce qui s'appelle les aspects développement durable. Et là-dessus, en fait, le projet IL s'inscrit dans une histoire. Donc je parlais de ce que Segamed a permis dans l'imagination de ce que je vais vous présenter, mais aussi ça s'inscrit dans une histoire qui va permettre à une vingtaine d'établissements français, universités, grandes écoles du ministère de l'Agriculture, et aussi un certain nombre d'entreprises, ou en tous les cas de partenaires sociaux, d'investir ensemble sur cette formation, à la fois en initial et en continu. Ça s'inscrit en fait... Tous partenaires... Nous étions en compétition et on s'est dit que si nous venions être intelligents, il fallait peut-être être un peu plus dans le collaboratif, dans la coopération. Pour les autres écoles, c'est-à-dire, j'étais en train de quelque part donner le bâton pour me faire battre, parce que derrière on avait un avantage sur le processus créatif, mais en même temps, c'était se dire aux autres, on va se challenger ensemble pour que derrière nos étudiants, à tous, soient en capacité d'être plus créatifs, plus imaginatifs et se donnent des chances d'aller un petit peu plus loin.
Voilà. Et on a donc développé un certain nombre de choses. Le concours est aujourd'hui pérennisé. Il se situe aussi au niveau européen. Il y a un concours européen tous les ans. Donc le meilleur français avec les meilleurs. Il y a 18 pays aujourd'hui qui participent, donc les meilleurs nationaux, sur l'innovation. Et donc ça challenge nos équipes pédagogiques, ça challenge nos étudiants et donc chacune de nos écoles. En même temps, on s'est dit, ouais, ça c'est bien, mais on va peut-être pouvoir partager des choses. Et on a mis en place aujourd'hui une première plateforme sous Moodle, etc., sur lesquelles en fait l'ensemble de nos étudiants peuvent, voilà, une idée, elle s'appelle Ideonis, peuvent en fait récupérer leurs cours, les cours sur l'ensemble du processus d'innovation. C'est-à-dire, je pars de l'idée jusqu'à la pré-industrialisation. Donner aux étudiants de nouvelles capacités. Nous n'avons pas chacun la science infuse, nous n'avons pas la révélation divine, etc. Nous pouvons tous participer pour que derrière, ben, on ait une vision qui permette à nos étudiants, ben, de pouvoir être meilleurs. Et derrière, on voit le concours tous les ans, ben, le niveau qui monte petit à petit, etc. Voilà. Donc on était là, et grâce à ça, en fait, grâce à ce travail qui a été fait déjà par une douzaine de partenaires, ben, nous avons pu avoir être retenu à travers un projet qui s'appelle ILC, Hybrid Innovative Learning Lab, dont l'ambition est effectivement de pouvoir partager des... Ça va être en train d'engager l'ensemble des 18 établissements supérieurs de l'enseignement supérieur français à modifier en profondeur l'ensemble des pratiques pédagogiques. Et les échanges que nous avons depuis hier me font mesurer toute l'ampleur, en fait. Nous sommes partis peut-être un peu la fleur au fusil, mais toute l'ampleur, en fait, de la tâche et de la complexité que ça va être de modifier, en fait, en tous les cas, tout ça. Et derrière, c'est de se dire, mais on va essayer d'avoir, c'est très bien. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de faire des cours ex cathedra? Oui, peut-être sur un certain nombre de choses, mais il faut peut-être le complémenter. Faire un certain nombre de choses qu'on fait déjà naturellement sur un certain nombre de points, mais sur l'apprentissage par problème et par projet. Et comment derrière, on va être capable de jouer à la fois sur ses connaissances disciplinaires et sur ses connaissances totalement opérationnelles. Donc ça veut dire que derrière, nous avons des équipements, nous avons un certain nombre de choses qui devraient nous permettre, si nous les mettons en collectif, là aussi, de mieux encore aider nos étudiants à, je reviens au ce qui était dit tout à l'heure, aux procédures. Comment on va être capable de pouvoir mener l'ensemble des choses. Et derrière, donc vous verrez, donc ça va se faire à la fois en réel et en virtuel, avec une pédagogie qui va être adaptée à la fois à du présentiel, à du tutoriel et à des choses totalement virtuelles, pour pouvoir proposer, à la fois en formation initiale, formation continue, etc., des formations totalement adaptées à l'apprenant, sur lesquelles lui va s'engager au départ. Voilà, en tous les cas, comment ça a été imaginé. Et l'idée, donc, c'est de dire, je vais favoriser, d'accord, avec des outils qui soient en présentiel ou à distance, des apprentissages individualisés. Individualisés, intégrés dans le temps de formation, et le temps de formation qui est choisi par l'étudiant, par l'apprenant. Parce que si je ne suis pas du matin, et que moi je suis le roi de la nuit, ben peut-être que mon processus d'apprentissage, quoi qu'on y fasse physiologiquement, j'ai peut-être plutôt intérêt à travailler sur ça à ces moments-là. Mais ça ne veut pas dire que, d'accord, mais on va peut-être avoir une capacité d'adaptation qui soit adaptée en même temps à la diversité des acquis et qui soit surtout adaptable à chacun. Ça veut dire que derrière, on va demander, ok, tout ça c'est bien, mais on va mettre en place en fait des plateformes pédagogiques et des outils qui vont dire, voilà, je rentre aujourd'hui, par exemple, en troisième année à l'école Oniris, qui est la mienne, en ingénierie agroalimentaire. Voilà le contrat que je passe. Voilà quels sont mes objectifs d'apprentissage. Voilà les compétences que je vais acquérir à la fin de l'année, à la fin du semestre. Et voilà ce à quoi je m'engage pour pouvoir y arriver. Et donc derrière, on va imaginer un outil numérique, itératif, qui va être capable, en suivant ce qui est fait, de pouvoir proposer, et en fonction des points de blocage que va avoir l'étudiant, de pouvoir en fait s'adapter en continu à l'ensemble, à son évolution. On en revient, ça veut dire que derrière, c'est ce qui était dit un peu hier, ça veut dire qu'on va devoir s'ouvrir au monde. Je reviendrai à travers ce qu'on fait aujourd'hui, on n'est pas passé encore au numérique, pour comprendre vraiment quelle était la logique que nous avons à quelques-uns imaginé en fait. Hein, qu'est-ce qui est le soubassement de tout ça. Ça veut dire que derrière, nous aurons trois lieux. Trois lieux, un lieu structurel, qui sont ce qu'on appelle nos Fab Labs. Ça veut dire que derrière, dans chacune de nos écoles, il y a des salles de...
de manière très virtuelle, notre contrat d'apprentissage. Et on aura le suivi avec l'étudiant. Et puis on aura, c'est là où Cegamed est intervenu en fait, c'est là où ça a donné les idées, etc. Ça, d'un coup, ça a ouvert un champ de possibles extraordinaire. Se dire, en fait, on a un virtual lab, ça veut dire qu'on va avoir un simulateur numérique modulaire adaptatif. Ça veut dire que, quand on revient sur cet aspect-là, vous voyez bien... Donc de pouvoir développer ça, je dis n'importe quoi, d'accord ? Enfin, peut-être pas faire avec cervelle de singe, on va faire ça avec... Pourquoi est-ce que quand vous êtes sur les marchés chinois, vous prenez pas, vous mangez pas des brochettes de scorpion ? Mais derrière, on peut très bien imaginer, donc on est dans une problématique de ce type-là, d'imaginer en fait un simulateur sur lequel on va pouvoir apprendre à mener des entretiens en profondeur avec, mon consommateur pour lui faire verbaliser pourquoi il ne mange pas sa brochette de scorpion. L'objectif, c'est que derrière, il soit capable de dire, effectivement, des raisons qui soient vraiment les siennes. C'est ce qu'ils ne nous disent pas, ben, ce n'est pas ma faute à moi. Enfin, si je le fais un peu différemment, si je vais sortir du cadre alimentaire. Par exemple, imaginez, pourquoi vous n'allez pas au théâtre ? Je ne vais pas au théâtre parce que c'est cher. Première raison qui est donnée, c'est cher. Ça veut dire quoi ? Mais pourquoi autant ? Tu es peut-être allé à l'Allianz, c'est Allianz Opéra, comment ça s'appelle Allianz parce que moi j'étais du temps du stade du Rail. Donc du Rail, mais donc à l'Allianz là, ça coûte combien d'aller au stade de Nice ? Mais je vais pas au théâtre. Donc ça veut dire que c'est pas un problème financier. Ça veut dire que ça me coûte trop. Il y a des tas de choses qui vont... Le théâtre ne communique pas. Bah, bien sûr qu'il communique le théâtre, mais en fait ça ne m'intéresse pas. Si le théâtre il devait communiquer comme... Voilà. Et on va, donc c'est d'aller gratter. Donc on va pouvoir saucissonner tout ça avec des actions très simples sur lesquelles on peut avoir des évaluations. Deuxième chose, c'est de se dire, ok, j'ai l'évaluation. Maintenant, on va complexifier un petit peu les choses. On va travailler sur du processus. Donc mettre en lien des actions simples, mais qui sont interdépendantes en fait. Ben, vous voulez concevoir un atelier de production, il y a un certain nombre d'opérations, d'agencement, d'organisation, des machines, etc. Mais aussi de tout ce qui est sanitaire qu'il va falloir prendre en compte. Et puis après, on peut se dire, le simulateur ultime qui va être développé à travers le projet, si tout va bien, c'est en fait un simulateur où on va pouvoir partir, vous lancez votre idée, vous avez votre idée, et bien nous allons aller avec la simulation jusqu'au bout en fait de l'idée, jusqu'à la pré-industrialisation, avec, de temps en temps, pour vous engager, etc., des scores, des pénalités. Tout d'un coup, il y a l'environnement qui change. Imaginez, ben, tout d'un coup, vous êtes dans la production, vous avez imaginé un circuit, ben, c'est dommage. Aujourd'hui, le grenier de l'Europe, la Russie, est en feu. Il y a une flambée du prix du blé. Qu'est-ce qui se passe ? Vous aviez un produit dont 80, qui est à 80% avec cette matière première-là. Comment vous allez vous en sortir ? Donc derrière, vous avez des choses qui vont se passer pour que derrière, donc c'était ça qui était extraordinaire tout à l'heure. Ça nous demande, en fait, qu'on avait pour les urgences, de vraiment d'un très très gros travail en fait de préparer de découpage en fait de chacun des scénarios pour savoir quels sont l'ensemble des éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Voilà. Donc ça c'est le projet sur lequel nous avons été retenus. Je vais juste rentrer. Donc ça veut dire que derrière c'est 5 actions qui vont être globales. Ça veut dire qu'il y a une action de pédagogie, de bien comprendre, de mettre en œuvre la pédagogie dans les établissements. Une action qui est au niveau du Learning Lab. Comment on va organiser tout ça au niveau des plateformes. C'est sachez changer d'échelle et sortir de votre cadre. Ne soyez pas dans votre zone de confort, décentrez-vous.
Hein, donc, envisager le monde différemment. Je prends juste un exemple. Le premier cours, par exemple, que je donne, ils arrivent à l'école, ça fait 3 mois qu'ils sont là, ils ne m'ont pas vu. J'arrive, ils me regardent après comme un extraterrestre, je leur dis, ben voilà, première photo, c'est des photos de produits sur les marchés chinois, donc on a les brochettes de scorpions, de blattes, etc. Non. Donc, c'est très bon pour la forme, etc. Mais là, déjà, ils sont un peu surpris. Deuxième chose, je dis, comment vous voyez le monde ? Quand on regarde le monde aujourd'hui, on le fait naturellement, on va avec notre carte, etc. On reprend la carte de Nabil hier, vous regardez le monde à partir de Pékin, tout d'un coup, vous dites, mais où est la France ? Donc il va peut-être falloir que je change mon fonctionnement. Puis après, on peut se dire, mais on peut prendre un cas particulier, la sécurité sociale a un déficit de 20 milliards d'euros. On ferme la sécu ou on garde la sécu ? Donc ça veut dire juste essayer de leur apprendre, se dire, ben, globalement, si je le fais à mon échelle à moi, 20 milliards, c'est mort, c'est fini, quoi. Mais à l'échelle de la sécu, c'est quoi le budget de la sécu ? Ton job à toi, futur dirigeant, futur cadre, etc., c'est de te ramener à la juste échelle des choses. Et ça commence comme ça. Et donc, c'est les obliger systématiquement à envisager le monde. Et Dominique Desjeux, qui est prof aujourd'hui émérite à la Sorbonne à Paris, qui est un anthropologue de la consommation et de l'innovation, il dit, en fait, il avait écrit un ouvrage en 2004, il a beaucoup travaillé sur ça, c'est travailler sur ces échelles. Comment est-ce que j'observe le monde ? Et si je veux me décentrer, c'est sur chacun des problèmes. C'est effectivement d'avoir cette vision très macro et puis pouvoir descendre au niveau neurobiologique, etc. Quand on regarde ce qui était fait, ce que vous avez présenté par exemple ce matin, ou ce qui était fait sur les services, on est sur ce processus-là. Ça veut dire que derrière, j'ai envisagé le contexte, j'ai envisagé un certain nombre de choses, et puis après, on va commencer à restructurer en fait l'ensemble des informations. Mais si j'oublie une des facettes, tout d'un coup, ça devient très très compliqué. Je ne serai pas capable de retranscrire cette réalité. Et cette mise en situation, puisque ce qui est important, c'est d'avoir cette capacité à mettre en situation. Quand on regarde le processus d'innovation, simplement, d'un point de vue marketing tel qu'on peut le considérer, c'est de se dire, pourquoi je vais être capable de pouvoir répondre à cet enjeu-là, et notamment au niveau sociétal. C'est que derrière, je suis capable peut-être de saisir quels sont les signaux faibles, de savoir mettre en situation de veille, de comprendre, d'observer, etc., pour pouvoir définir, explorer, prototyper. Et après, on rentrera sur le processus de gestion et la mise en place de l'ensemble des choses. Et ce qu'on va essayer de faire, ce qui a motivé, en fait, dans l'imagination que nous avons eu tout ça, de ce projet, c'est de travailler sur ces premières étapes qui ne sont pas celles que nous apprenons naturellement. Et ça ne demande pas, de souffrir, si on revient à ce qui a été dit tout à l'heure, comme des malades pour pouvoir obtenir. Ça demande de souffrir, parce que je vais remettre en cause ce sur quoi j'ai fonctionné jusqu'à présent. Et donc je suis capable de m'ouvrir en fait sur l'ensemble des choses. Ça veut dire que dans l'histoire, globalement, je vais juste vous prendre deux exemples, qui sont les deux produits qui ont développé les étudiants l'année dernière, pour faire simple, et là je reviens à la médecine, enfin la santé en tous les cas. C'est de se dire, les étudiants sont venus me voir, ils m'ont dit, je veux lancer le nouveau produit, un nouveau petit déjeuner. Je lui ai dit, mais ouais, vous êtes gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous voulez lancer un nouveau petit déjeuner ? Lancer un petit déjeuner parce que derrière, ben si, donc là ils sont rentrés, ils ont dit, mais on a travaillé, on a réfléchi, on s'est dit, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est que quand les gens ne prennent pas le petit déjeuner, en fait, il y a un problème de métabolisme dans la matinée, donc ils vont bouffer n'importe quoi, donc j'encourage l'obésité, etc. Je dis, ok. Donc ça veut dire que derrière, vous n'allez pas faire un petit déjeuner pour un petit déjeuner, c'est-à-dire que vous voulez faire un petit déjeuner, ce qu'ils ont fini par dire, on va faire un petit déjeuner pour ceux qui n'en prennent pas. Ah, déjà, c'est-à-dire déjà, mon petit déjeuner n'est pas comme tout le monde. Ça veut dire que derrière, ben, ils ont réfléchi, ils se sont dit, pourquoi les gens ne prennent pas le petit déjeuner ? Donc les étudiants ne prennent pas le petit déjeuner. Ils se sont dit, donc je leur ai dit, ok, on a discuté, allez voir vos camarades qui ne prennent pas le petit déjeuner, allez faire des entretiens. Alors là, je peux vous assurer, moi, ils m'ont mis le moral à zéro. Pourquoi vous ne prenez pas le petit déjeuner ? Parce qu'en fait, le matin, en fait, je suis triste, ils sont tout seuls, en fait, beaucoup, pour beaucoup, etc., dans leur chambre d'étudiants et tout, ils sont super tristes, j'amplifie le profil, hein, d'accord ? Et en fait, la première chose que je fais le matin, c'est je me connecte au monde. Je rallume, enfin si je ne l'ai pas éteint, hein, je me connecte à mon extension de main favorite pour voir un peu ce qui se passe avec les autres. Donc je me reconnecte. Ok, ce qui est pour moi personnellement une aberration totale, mais c'est moi. Je n'ai pas la vérité, mais c'est leur vérité, globalement. J'ai besoin qu'on m'apporte de la chaleur, de la lumière, etc. Si ça ne va pas, tant qu'à faire, je préfère, les garçons, ils vont rester, ils partent à 7h15, ils mettent le premier réveil à 7h moins le quart, voire 6h30, 7h moins le quart, ils vont le faire sonner jusqu'à 7h, à 7h, ils se lèvent, s'habillent, ils ont fait un petit truc au milieu, et ils partent. Les filles seront levées 5 minutes plus tôt, histoire d'être un peu plus, voilà, apprêtées, etc. Mais globalement, on a le même résultat. Donc ça veut dire que si moi, je veux trouver une solution, il va falloir que je l'intègre dans votre vie. L'intégrer dans votre vie,
D'accord, ça veut dire que derrière, ben, ils ont dit, mais on va regarder quelle est la mobilité. Vous êtes connecté, la première chose que vous faites, ben, si vous êtes connecté, on va travailler sur des applis. Et donc on va imaginer un processus de livraison, donc là c'était de la logistique, à travers le produit qui est proposé, hein, l'Ouatt, mais qui vous permet sur votre parcours de vie de pouvoir prendre le produit, etc. Donc on va simplifier l'ensemble du parcours. Voilà. Donc l'idée c'était de se dire, voilà, simplement, on n'a aucun des outils qui vont être proposés à l'avenir. Voilà, premier potentiel. Deuxième idée, je voulais vous montrer, c'est le premier substitut alimentaire au tabac. Donc la même façon, ce qui est important, se décentrer, c'est à quel niveau, comment est-ce que je veux, à quel enjeu je veux répondre. C'est pas de créer un biscuit pour un biscuit. S'en moque, faire entrer par la cuisine. Si on regarde les ingénieurs, la première chose qu'ils font, c'est de la cuisine. Je dis, mais je m'en fous de la cuisine. Je sais que vous savez faire la cuisine. Ce qui est important, c'est quel est l'enjeu qu'elle voulait répondre. Donc Jean-François était venu l'année dernière sur Nantes, histoire d'être un peu le perturbateur parmi mes étudiants qui n'avaient pas trop l'habitude, mais c'était pour ça que je l'avais fait venir. C'est-à-dire, regardez les choses différemment, voyez le monde différemment. Et là, c'est de se dire, et ils ont dit, ben, nous ce qui nous intéresse, c'est de se dire, il y a des problèmes de santé. Il y a aujourd'hui, il faut lutter, enfin, il y a un travail de prévention, etc. Les gens veulent arrêter de fumer. Ça coûte tant, etc. Enfin, ils sont rentrés sur ça. Ils se sont dit, mais comment je peux le faire, moi, en alimentation? Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont allé voir la Ligue, ils ont rencontré un certain nombre de médecins. Ils ont, hop, ils se sont dit, voilà. Donc, ils ont créé le premier substitut alimentaire au tabac. Donc, pour l'instant, c'est en réflexion, hein, de création, etc. Je peux vous assurer que ça marche. Donc, il y a eu des premiers pré-tests cliniques, entre guillemets. Hein, puis, ça a été fait sur 10 personnes. Sur 10 personnes, il y en a 2 qui ont arrêté de fumer, 4... Qui ont réduit fortement leur consommation de tabac. Ça fait un an, hein, que les tests ont été faits. L'un d'autres, ça n'a pas changé, mais ça dépend de mon moteur. D'accord ? J'ai envie d'arrêter. Quelle est une nouvelle façon de faire ? Et là, il y avait beaucoup de symbolique. Il y a des huiles essentielles. On va jouer sur un certain nombre de choses. Tout ça, ça sera vendu en pharmacie. D'accord ? Mais voilà. Mais tout d'un coup, ce que je veux dire, c'est que comment faire en sorte, en vous décentrant, en envisageant le monde différemment, on est capable d'apporter de nouvelles solutions pour répondre réellement aux enjeux de demain. Et c'est là où j'avais énormément, ce que j'avais dit à Nabil, à apprécier sa présentation, notamment hier, pour se dire, ben, tout d'un coup, on nous oblige à... Alors naturellement, ça engage, c'est ce que tu disais, ça veut dire que derrière, ça engage à se dire, eh ben, pour pouvoir arriver à faire ça, il faut que j'ai effectivement des facilitateurs en place, et que moi, enseignant, eh ben, j'apporte un certain nombre de petites touches, au niveau théorique, etc., mais que je les ai obligés à envisager et la pédagogie, et la façon dont ils vont recevoir les connaissances différemment. Voilà. Donc, le projet, juste pour que vous compreniez, ça veut dire derrière, pour nous, et le processus qui rentre là en ligne de compte, c'est ce qui va être fait là pour les étudiants, c'est les aider à s'ouvrir au monde, et à ouvrir le processus d'innovation, pour qu'ils soient capables de changer d'angle de vue et changer d'échelle, naturellement, et qu'ils le fassent de plus en plus, et donc qu'ils soient capables d'envisager l'alimentation de manière totalement systémique, et en même temps circulaire, ça veut dire que derrière, qu'ils soient capables de répondre à un réel enjeu sur lequel leur technique et ce que va apporter aussi, là, vont apporter l'ensemble des outils au niveau de la procédure pour pouvoir être pertinent sur chacun des éléments du processus d'innovation. Et donc derrière, hein, on soit capable d'offrir un produit avec un bénéfice qui soit compréhensible par tout le monde. Donc voilà, il aujourd'hui c'est ça, c'est 6 millions sur les 10 prochaines années. Ça va être l'objectif, c'est former 70 000 jeunes à ces processus-là en France, en tous les cas qui soient impactés par ce processus-là. Il y a une vingtaine d'établissements qui sont aujourd'hui engagés dans ce processus-là. L'enjeu, c'est pas encore gagné, mais en tous les cas, ben voilà, on essaye de partir sur ça. Donc un grand merci à Pascal et à Jean-François d'avoir permis, en tous les cas, de faire naître les idées sur ça. Et merci à chacun d'entre vous. Merci. C'est impressionnant. Alors, c'est pas tant la notion des idées, c'est pas ça. C'est que peut-être que
qu'on parlait souvent dans les dispositifs finalement de back-office et de front-office. Peut-être que Cegamed est simplement une cuisine dans laquelle les gens viennent faire quelque part leur... non pas leur marché, puisque dans la cuisine on amène des produits pour faire une recette. Et si effectivement ça fait émerger des projets aussi riches que celui-là, et que derrière il y a tous les atouts pour que ça puisse arriver, parce que quelque part le dynamisme de Jean-Marc est remarquable, eh bien tant mieux. De l'intégration à l'innovation, quand on pose comme ça c'est des phrases en disant alors ça va être quoi le thème cette année, alors on essaye d'avoir, j'avais commencé toujours par des A au départ. Quand vous regardez l'historique de des mots fil rouge sur Cegamed, c'était les A parce que ma femme est lyonnaise et vous savez qu'il y a un plat particulièrement apprécié des Lyonnais qu'on appelle l'andouille triple A. Donc je me disais que c'était un gage de qualité, que quelque part, on pourrait dire, au bout de 3 ans, 4 ans, on a fait les 4 A de Cegamed, et quelque part, il y a un label. Alors, c'est idiot tout cela, c'est une façon aussi de s'amuser sur notre propre, non pas condition, loin de là, mais notre façon d'amener cette agrégation. Et... on parle dans tous les établissements d'innovation pédagogique depuis peut-être trop longtemps. Parce qu'en fait, si véritablement l'innovation pédagogique, j'oserais dire, alors je vais être brutal, existait en tant qu'objet, ça ferait longtemps qu'on le manipulerait. Donc en fait, c'est un verbe et on est devant ton schéma. Et c'est les cours que vous avez eus avec Jean-François, on est devant un schéma de quoi ? D'un PDCA. Une boucle d'amélioration continue de la qualité. C'est-à-dire qu'enseigner, c'est s'améliorer en permanence, en permanence, en permanence. S'améliorer sur la base de quelque chose qu'on a décidé. On commence les cours tous les deux de la même manière et pourtant on n'a jamais échangé d'un point de vue didactique ou pédagogique ou tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en fait on met les gens en situation et ça c'est reconnu, connu, et ce qu'on essaye de faire c'est qu'eux-mêmes ensuite reproduisent cela. La deuxième partie de la matinée, c'est-à-dire la fin de la matinée, sera consacrée à ça. Et donc, quelque part, effectivement, l'innovation pédagogique, peut-être que c'est un construit intellectuel qui mélange subtilement du technique, peut-être trop de technique. C'est pas contre vous. Ce que je vais dire par là, c'est... Non, je me reprends. Quand on regarde juste autour de nous, l'innovation pédagogique, pour en avoir été un peu la cause dans notre université, c'est vrai qu'il y a quelques années de cela, c'était la technologie. Dans les années 2000, construire une stratégie numérique dans une université, c'était de faire cueillir les fils qui passent. Cette époque-là, on en était, on va dire, dans ses réflexions. Quand on dit l'innovation techno, c'est pas de la techno que vous avez montré. C'est quelque part, vous avez vu les tonneliers, comment ils font, comment ils travaillent le bois, les tonneliers. Ils le mettent en condition de pouvoir épouser la forme qu'ils souhaitent. Il faut être... épouser la forme qu'ils souhaitent, tout en gardant les propriétés du bois. Et je pense que c'est peut-être ça l'innovation pédagogique, que d'essayer d'épouser, et hier Jean-François Cessy nous faisait un petit schéma, vous reverrez en bas à droite, vous aviez la ligne continue, le plan, vous savez, le plan incliné, et puis le vrai parcours, c'est un vrai parcours où il y a des petites montagnes, hills. Alors j'espère qu'on va venir, entre guillemets, goûter le smooth hill à Nantes. Donc il y a effectivement des montagnes et des creux. Et il avait corsé son schéma en mettant de l'eau dans les creux. Regardez. C'est-à-dire que parfois, on s'embourbe, on se noie et qu'on n'est pas capable de retrouver de l'énergie pour monter. Alors, pardonnez-moi d'interpréter comme ça tout cela. Finalement, on finit en cours de, je sais pas, de philosophie ou en tout cas d'interprétations, peut-être qui sont fausses, mais en tout cas, ça a forcément eu un intérêt de nous faire réfléchir. Donc, tu voulais maintenant peut-être.
juste insister sur quelque chose qui est une dimension importante de la présentation de Jean-Marc. Dans ce trio des virtuels, sur le lab, on est clairement là-dedans, dans une offre aujourd'hui qui permet de rétablir, on va dire, un petit peu les canaux cognitifs. Moi, je vous ai souvent dit, enfin, je dis souvent aux étudiants, je dis souvent aussi quand on a nos réunions de master ou autre, l'écrit, l'oral, la pratique, tout ça, en fait, la cuisine de chacun, c'est de choisir son vecteur cognitif, son canal cognitif, son canal d'appropriation, et de se retrouver, parfois, devoir saupoudrer avec un petit quelque chose d'autre en plus. Et là, quand on a le Learning Lab, on a le Fab Lab et on a le Virtual Lab, en fait, ce que tu offres, c'est, grosso modo, le plaisir et le bonheur qui est celui de se retrouver dans un resto où la carte est appétissante et où on va finir quand même par se faire plaisir, parce que ce qu'on est venu faire, c'est avoir le plaisir d'une expérience. Là, dans le cas d'espèce, c'est une expérience pédagogique, formative, etc., etc., en avant sur quelque chose qui est vraiment très spécifique. Donc on va faire vraiment son choix. Or, on sait aujourd'hui que quelque part, le fait de respecter les logiques de choix, c'est aussi finalement... ne pas imposer la violence verticale d'un choix pédagogique donné, dont on sait très bien que par la force des choses, il laisse des gens sur le bord de la route et qu'il permet ensuite de véhiculer des légendes dans le genre ça c'est dur, ça c'est compliqué, ça c'est restreint à ceux qui sont de tel niveau. Non, non et non, c'est juste qu'on ne savait pas inclure, j'aime pas ce terme d'inclusif, mais là pour une fois je vais l'utiliser, on ne savait pas être inclusif. Là, dans ce que tu fais de la pédagogie inclusive en disant, ok, comme as you are, tu préfères le côté Learning Lab, vas-y, fais-toi plaisir. Tu préfères le côté Virtual Lab, fais-toi plaisir. Cette offre est là pour que tu puisses le faire. Et comme ça a été mentionné également, il y a, et ça c'est vraiment très très important, le respect de la chronobiologie de chacun. Moi j'ai envie de bosser d'une certaine façon, j'ai envie de venir, j'ai pas envie de venir. Il faut aujourd'hui que les enseignants, il faut aujourd'hui que les responsables de programme, il faut aujourd'hui que les producteurs de contenu soient dans la capacité de reconnaître que être devant un amphi qui est vachement clairsemé, ça n'est pas nécessairement un échec. Si à la fin de la semaine, ce qu'on voit dans les stats de fréquentation des plateformes et des Virtual Lab, Learning Lab et Fab Lab, c'est que au final, non seulement on a eu tout le monde, mais on a eu grosso modo 250-300% de fréquentation, parce qu'on s'est retrouvé, comme on a donné la liberté de venir et de faire comme on veut, le fameux « come as you are », eh ben, on s'est retrouvé avec des étudiants qui ont participé comme ils le souhaitaient, à leur rythme, à leur volonté, à leur temps, etc. Et en prenant compte les décalages divers et variés, en prenant compte aussi, pourquoi pas, leur capacité et leur aptitude. Et ça, c'est très important à dire, j'ai envie de venir avec Pascal, j'ai envie de faire le cours avec Pascal, parce qu'il se trouve que mardi soir, de 17 à 20, en fait, on est libre tous les deux, et ensuite, on va aller manger un morceau. Donc, on va se faire 3 heures, ce sera chez lui, chez moi, c'est pas grave, on va se connecter, on va participer, on va faire ce qu'on a à faire. On a choisi une série de tâches, on avance en fait dans la progression qui nous a été proposée, mais en choisissant ben, la case qu'on veut au moment qu'on veut. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, il faut quand même qu'on arrive au point qui, grosso modo, est celui d'arriver. Après, quel est le chemin ? Mais on s'en fout complètement. Et si on a l'intelligence de pouvoir proposer plusieurs chemins, c'est là où je pense qu'on a l'élégance intellectuelle et pédagogique, l'élégance intellectuelle et pédagogique de se mettre au service des gens qui sont en face de nous en respectant leur individualité, en respectant leur chronobiologie, je reprends ce terme, et en étant vraiment dans une logique inclusive. Voilà, je crois que ce que tu sur cet exercice tel que tu es en train de le monter, c'est ça. Et je retiens quelque chose, moi c'est très bête, hein, je suis très pondéral. C'est le chiffre que tu as donné. L'objectif, c'est de former 70 000 personnes. Moi, quand on me dit l'objectif, c'est de former 70 000 personnes, je me dis, ça ne peut pas se faire n'importe comment, ça ne peut pas se faire avec un bloc de post-it et un crayon mal taillé. Donc, on a aujourd'hui quelque chose qui fait du sens, avec des chemins qui font du sens, et avec une dynamique pour pouvoir pousser, tirer, accompagner, inciter, séduire, mais en aucune façon contraindre, obliger, faire peur.
Et en même temps, en utilisant toute la richesse en fait, des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. C'est-à-dire, le data derrière, on va l'utiliser pour effectivement être en capacité de s'adapter. Et ce qui est déjà aujourd'hui possible, c'est-à-dire que ça a été monté, ça a été discuté par exemple avec Laurent Honneau qui est à Succubus à Nantes, hein, donc comme par hasard à Nantais, mais pour se dire, est-ce qu'on a le potentiel de pouvoir faire ça ? C'est-à-dire que si on imagine tout ça et que derrière la technique n'est pas capable de nous aider, c'est pas possible. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est que cette technique, la technique soit au service d'eux, la pédagogie au service d'eux, pour qu'ensemble, en fait, on soit en capacité de gagner. Voilà, parce que, alors ça pourrait rester en off, mais si moi j'ai des étudiants qui ne font pas partie de la première division française, d'accord ? Mon objectif, c'est de les monter à la première division. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Ils ont peut-être d'autres capacités, ils ont peut-être un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire que... Donc l'objectif, c'est de les aider à monter tous en compétences et qu'ils atteignent collectivement, avec un processus totalement personnalisé, le niveau que nous avons ensemble défini. Voilà. Merci en tout cas pour ce retour. Est-ce qu'il y a dans la salle éventuellement des commentaires, des questions qui viendraient être les suites ? Ah, je vous amène le micro. Là, c'est mon côté Jeux Olympiques. Bon, surtout pas trop vite. Rebonjour. Ouais. Non, moi j'avais pas de questions, juste une remarque. Ce que j'ai trouvé vraiment pertinent, non seulement c'est les trois lieux, là, parce qu'on parle beaucoup en ce moment des tiers-lieux. Nous, donc à Grenoble École de Management, on a le Playground, dont je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'articles, j'ai vu sur Slate et compagnie, ou sur The Conversation, qui parlent justement de ces tiers-lieux et de tout ce qu'ils peuvent apporter en bénéfice aux apprenants, ou même dans le cadre du coworking, etc. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment pertinent. Et en plus, en faire trois lieux qui soient à la fois physiques et virtuels, je trouve ça très, très fort. Et la deuxième chose aussi qui m'a interpellée, c'est ce côté individualiser le parcours. Parce que c'est vrai qu'on a quand même eu toujours, enfin même moi dans ma scolarité, qui est quand même il n'y a pas si longtemps, on pouvait choisir des spécialités, on pouvait choisir un parcours un peu plus fléché selon les écoles, ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de notre propre programme. Mais au-delà du programme, je m'engage sur certains points, ça c'est quand même assez, je pense, novateur, enfin, et je trouve ça vraiment pertinent. Et après, ça demande, à mon avis, un temps fou d'organisation et complexe. La complexité. Pour arriver à mettre tout ça en place. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des billes par rapport à ça. Mais... On n'a pas pour l'instant de billes, c'est-à-dire pour l'instant, il y a des choses qui sont en pré-test, notamment à Montpellier Supagro. Parce qu'il y en a un qui est un peu plus fou furieux que les autres. Donc, mais globalement, voilà, on sent que c'est possible de le faire, en fait. Donc après, on va définir, mais on ne va pas définir un parcours particulier. C'est-à-dire que moi, je m'engage à un certain nombre... On veut impliquer, en fait, par l'engagement, par la... Après, on signe un contrat ensemble, c'est-à-dire qu'on va se faire confiance. Oui, responsabiliser. On responsabilise, mais se faire confiance, ça veut dire que nous, ce qu'on va apporter, c'est de la crédibilité sur l'ensemble du processus, dans les informations qui sont données, dans les outils qui vont être développés. Avec ce qui était offert, ben c'est crédible. On aura un regard bienveillant. Et on va demander à chaque... Et lui aussi, il faudra qu'il ait un regard bienveillant. C'est-à-dire que derrière, c'est dans l'échange, on va progresser. Et qu'il y ait une forme d'intégrité. C'est-à-dire qu'ensemble, on est capable de se faire confiance. Et comme ensemble, on est capable de se faire confiance, ben comme nous sommes ça, ben nous sommes derrière, en capacité, derrière, de pouvoir nous engager mutuellement sur le processus. Et du coup, quelle serait la... Alors, ça doit être, c'est un peu large ouais. comme question, mais là, quelles sont les étapes suivantes ? Enfin, sur quoi vous êtes en ce moment ? Parce que là, tu nous as donné vraiment tout un Donc voilà, pour l'instant, voilà. Donc là, ça a été retenu il y a il y a 6 mois. Donc là, maintenant, il va falloir engager. Là, on avait demandé 7,5 millions, on est passé à 6 millions. Donc la première truc, ça a été qu'est-ce qu'on coupe ? Bon, il aurait fallu demander 8. Oui, non, mais de toute façon, c'est. Donc, ça veut, mais derrière, il y a des choix qui ont été faits. Les choix qui ont été faits, notamment, ce qu'on a demandé là, par exemple, c'est que derrière, on va avoir besoin d'argent pour la partie technique. Donc, derrière, une partie importante de la somme, ça va être sur la partie technique, avec dès l'arrière de l'ingénierie pédagogique. On parlait de facilitateur. On a fait le choix de garder toute la partie salaire. Que va payer pour justement avoir ces facilitateurs sur place. Voilà. Et derrière, on va commencer à imaginer. Donc maintenant, on va impacter chacun des établissements et tout le monde a dit OK, c'est bon. D'accord ? Mais moi, ma direction, elle doit maintenant
va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire derrière, là je vais commencer à essaimer dans l'école, et derrière, il faudra que la direction dise, ok, on est en train de penser à la réforme de la maquette pédagogique et faire un certain nombre de choses, et bien ça, ça n'est possible que si collectivement, au niveau de chacun des établissements, nous sommes prêts à sauter le pas. C'est ce que disait en fait le doyen tout à l'heure, c'est comment ensemble. Et c'est vraiment un travail collectif, c'est pas un individu qui va se dire on y va, plop, plop, etc. Je peux le faire au niveau d'une, par exemple, de l'orientation dont je m'occupe ou à laquelle je participe en troisième année à l'école, où j'ai une quinzaine d'étudiants, point. Mais c'est bon, ça peut être une vitrine. Mais derrière, si on veut, et l'État, c'est pas, là je suis loin de mes 20, 70 000, hein, c'est-à-dire si je fais 15 tous les ans et qu'on fait chacun 15 tous les ans, on ne va pas y arriver. Donc ça veut dire que derrière, il va falloir qu'ensemble, nous soyons suffisamment moteurs et on ait suffisamment d'énergie pour faire sauter l'ensemble des verrous et que tout le monde comprenne bien quel est l'enjeu et qu'on accepte de se remettre en cause. Ça, c'est pas gagné, mais on va avancer. Les choses avancent, c'est-à-dire que derrière, si je reviens, quand en 2000, on a créé le concours, on ne savait pas ce qu'il allait. En 2012, tout le monde s'est dit, on s'est mis autour de la table. Mais on a appris à se connaître et on a appris à vivre collectivement et à se faire ensemble confiance, ce qui permet aujourd'hui d'arriver là. Et c'est ça, enfin, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est vraiment, pour moi, la clé de voûte, en fait, elle est là. C'est-à-dire c'est notre travail collectif. Et se dire, même si nous sommes de temps en temps en compétition. Parce que quand je vais à Avignon avec mes étudiants, je ne vais pas pour faire la figuration. Ce que je leur demande, c'est concrètement, vous devez donner le meilleur de vous-même, vous devez être au top. Si vous n'avez pas le prix, vous ne l'avez pas, mais en tous les cas, vous n'avez rien à regretter en sortant. C'est du relatif, etc. Vous avez tout donné. Et c'est ça qui va vous faire grandir, c'est pas... Et donc, ensemble, ça me demande aussi pour l'ensemble... On revient à la pédagogie, mais ça demande à moi, enseignant, s'ils dorment 3 heures par nuit, moi j'en dors 4. Ça veut dire que derrière, je suis avec eux, je suis en soutien, C'est un investissement total pour permettre ça. Parce que si nous sommes ensemble, eux, ils comprennent l'intérêt d'être ensemble. Et après, ils sont capables de vivre les choses. Et après, ce qui est important, ce n'est pas le résultat. L'important, c'est ce qu'ils ont dans leurs yeux. Quelles sont les étoiles qu'ils ont dans leurs yeux. C'est ça, en tant que... Je dirais la récompense. En tant que pédagogue, c'est de... Quand je regarde les étudiants qui sortent, je pense que quand ils sortent de la salle de design de GEM, c'est pareil, enfin, etc. C'est qu'est-ce que... Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a fait qui fait que derrière, on a été capable de grandir. Voilà. L'objet ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner, on met en place la technique, on va utiliser la technique pour avoir un peu cet effet waouh, mais que ce soit un effet waouh durable qui leur permette de devenir des acteurs responsables de demain. En fait, en tous les cas, l'enjeu pour nous est là. Tu veux celui-ci, il est peut-être... Non mais tout ça souligne quand même quelque chose qui... La porte est fermée, ok, oui. On peut le dire. Mais c'est filmé. C'est la différence... Non mais c'est pas du tout enregistré. C'est quand il y a une différence très très conne, hein, entre des profs qui font le métier de prof pour eux-mêmes ou ceux qui le font pour leurs étudiants. Voilà, c'est tout. Oui, c'est sûr. C'est comme Churchill, hein. Je vous l'ai dit hier. Oui. Merci, moi je trouve que c'était fascinant. Mais si tu passes au slide le prochain là, moi ce qui m'intéresserait c'est de comprendre qu'est-ce qui est infrastructure, qu'est-ce qui est modèle et qu'est-ce qui est application. Parce que moi j'adore l'exécution. Oui, d'accord. Donc l'infrastructure, c'est l'ensemble des établissements avec leur lab. C'est tout ce qui est physique en fait. Ça existe déjà. Donc ça existe déjà. On peut après en avoir un peu plus, etc. C'est-à-dire, mais c'est pas le projet qui va financer. Donc ça c'est plutôt un modèle avec différents types d'applications. Donc il y a un modèle à la base puis après ce que tu montres là c'est si on exécute le modèle. Il y a plusieurs types j'ai comprendre un petit peu. Oui. Non mais là le modèle c'est pas moi qui l'ai fait donc je suis toujours un peu. Juste pour m'expliquer un petit peu. Donc voilà si tu veux par rapport à ça. Donc on a effectivement les structures qui existent. On a ce travail, cette réflexion qui est faite ensemble depuis maintenant 5 ans. C'est-à-dire derrière on a avancé, vous avez vu il y a l'Idéonis etc. On avance, c'est à un autre petit niveau pour l'instant mais on se dit c'est pas suffisant. C'est-à-dire derrière on commence à construire les briques et on se dit ouais il y a du potentiel quoi. Il y a des tas de choses qu'on pourrait faire. D'ailleurs, on se dit, maintenant, si je veux engager, c'est-à-dire que là, les étudiants, est-ce qu'ils y vont, ils n'y vont pas? Je vois les miens, là, cette année, cette plateforme, elle existe depuis 6 mois, d'accord? Je vois les miens, ceux que je suis, là, le groupe que je suis particulièrement cette année, et vous y êtes allés? Ils me font non, et j'ai dit, mais... Et venez me voir après, me poser des questions sur le truc qui est en ligne. Donc, responsabilisez-vous, etc. Donc, on s'est dit, responsabiliser, ça veut dire que derrière, vous n'êtes pas des consommateurs. Vous ne êtes pas des consommateurs, vous êtes des consommateurs. C'est-à-dire, devenez acteurs d'eux.
Et c'est là où, pour nous, ce qui est important, c'est effectivement, on va faire ce learning contract au départ. D'accord ? Donc notre modèle, c'est on vous demande de vous engager. Nous, vous engagez, ok. Mais nous, ce qu'on va essayer de réfléchir, on va essayer de réfléchir à se dire, on peut s'engager pour, moi, ce qui m'intéresse, c'est mieux d'être plus performant sur la compréhension des moteurs des gens, au niveau des entretiens, etc., du niveau du marketing, pour que je puisse travailler sur ma cible. Ok, je définis les choses. Maintenant, là, par rapport à ça, nous, on a peut-être imaginé un module qui permet de... Donc, utilise ça, on va évaluer, on va faire, etc., on va faire le bilan. Et on va faire l'ensemble des choses. Et on a ces simulateurs virtuels, en fait, d'accord, avec chacune des étapes qui vont peut-être naître ou pas, en fait. Nous, on a des ambitions, mais bon, on va être rattrapé par les moyens financiers. Il y aura peut-être d'autres choses qui nous permettront de rebondir derrière, mais qui vont permettre. Mais le moteur... faire en sorte de plus en plus pour qu'on ait, on va apprendre de ce que tu fais. C'est-à-dire qu'on va, c'est, on va, grâce à cette capacité à s'adapter, en fait, que permet capable de mieux identifier les points de blocage. Maintenant, quand je fais cours, si je suis en séance de pratique, il y a des choses que je rate, en fait. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Et donc, on va comprendre, grâce à ça, on va comprendre les points de blocage, ouais, pour être en capacité derrière d'avoir des facilitateurs qui permettent de passer outre. Je vais prendre juste un exemple. Tu prends des gens qui sont nuls en maths, les marketeurs par exemple, d'accord ? Ils doivent faire de l'analyse de données, ils doivent prendre des décisions à partir des données. Comment est-ce que tu es capable de faire passer cette analyse des données, ça, pour qu'ils soient en capacité de prise de décision ? Donc ça demande... de trouver petit à petit, de faire sauter chacun des verrous pour que tout d'un coup les choses se révèlent à eux, qu'ils prennent totalement confiance dans leurs aptitudes, dans leur capacité à... Ce qu'on a fait ensemble avec Isabelle avant-hier, après-midi, c'est ça, c'est-à-dire tout d'un coup, on se rend compte, nous sommes capables de... Voilà. Et l'ensemble du système est là pour faire en sorte que petit à petit tu es capable. Tu es capable de ça, allez, maintenant je te mets le deuxième jeton. C'est à plusieurs, on joue à plusieurs bandes en fait. Et en fait... Donc, ce que je comprends bien, parce que moi, j'aime, c'est qu'il y a les murs, oui, mais il faut changer les fonctions, la manière dont les espaces sont utilisés. Il faut changer, exactement. Il faut que tout le monde change. Tout le monde. Les apprenants, la pédagogie. Tout. Et en vérité, le produit final, c'est la formation, une nouvelle type de formation qui fait que les gens sont... c'est ça un peu ce que... Non, il y aura pas, je ne sais pas s'il y aura une nouvelle formation, ce serait l'idéal. Mais c'est derrière... On a, nous, des contrats, on a des choses... Mais le produit final, c'est ce qui est en bas, la formation initiale... Oui, la formation continue, etc. Je demande d'avoir acquis des compétences. On te propose une nouvelle façon d'acquérir ces compétences qui te permettent d'être plus pertinent. Quelle que soit la formation, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a une formation... propose des formations différentes, voilà. Mais Jean-Marc, un grand merci à vous en tous les cas. Bon, mais écoute, on fera quand est-ce qu'on fera le Ségamed à Nantes, ça sera effectivement peut-être très intéressant de pouvoir continuer. Alors, on va enchaîner.